Enfin, je vais être Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je viens comme ça de recevoir une soeur qui arrivait de Paris. Voilà. Tu vis à Paris ou ça? Je suis à Farce. J'habite à Farce. Ok. Elle a eu mon contact par le biais d'une cousine, c'est ça? Une belle-sœur. Belle-sœur, j'ai eu au téléphone. Elle a voulu juste une aide. J'ai envoyé mon chef de communication à l'accueil, à la réponse. Elle n'a pas dit qu'elle ne connaît pas la Côte d'Ivoire, si elle connaît la Côte d'Ivoire. Mais elle a voulu d'abord passer par ici avant de faire d'autres cours, se voir l'après-midi. Voilà. Donc c'est ce qui est intéressant. Nous avons envoyé quelqu'un l'accueillir à l'aéroport, à loger. Et puis ben, elle est arrivée à Dibo. Dibo qui est notre état-major. Donc on vient à peine de se voir. Mais ça me réjouit parce qu'elle m'a envoyé un cadeau, là, une surprise de taille. Oui, c'est de taille parce que. Ils ont mis prophète. Le P, c'est prophète, c'est un peignoir. Prophète. C'est un peignoir. Un peignoir avec un drap d'un. Oh là là. Et le drap d'un aussi, ça écrit. Oh super. Tu es dans quoi? Dans quel domaine? Moi, je suis agent de sûreté à l'aéroportuaire. Ah, monsieur Jotier. Je travaille à l'aéroport. Ah bon? Donc toi, tu vas bien, président. Nous, voyons, on arrive. Tu es où ça? Dans quel domaine? Voici, ils ont mis le prophète Joël. Super. J'espère qu'il ne fait pas des jaloux. Super et super et super. Quand vous venez de Paris, là, hein, passez à nous. Voilà. C'est sans dire que quelqu'un passe à nous. Comment il n'y a pas prié pour être? Elle a pris son temps pour mettre le prophète. Tu es jalouse, mais il a un gars de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu de sorcellerie. Où est-ce que tu admires le truc? Elle prend ta rien comme ça. On dirait à fond. Voilà, tu vois ce peignoir. Super. Désormais, le maréchal, on va en aller se doucher. C'est important. Ça nous fait souvent du bien. De comprendre qu'il y a des gens qui font ça, nous. Voilà. Par contre, d'autres disent, ils viennent à les bras balancés. Ça fait rien, mais pensez quand même à nous. Oui. Ouais, c'est important. Hein? Pensez, ça. C'est une serviette, c'est pas grave. Grave. Nous, une serviette, nous aussi. On ne ferait pas de serviette. Excusez-nous, mais nous, on dit serviette. Serviette, c'est standard. Et nous, on dit serviette. C'est tout ça, nous, on appelle serviette. C'est les meilleurs. C'est qui? Voilà. C'est la langue de Moutier. Vous qui avez créé la langue française. Nous, on modifie pour nous parler ici. Super, super, super. Pour son temps, pour faire un bon design, pour faire jouer Crasso. Pourquoi je ne prierai pas pour elle? Vous comprenez? Les présents font. La Bible dit que les présents gagnent le cœur du roi. Pour moi, c'est parce que le fait de me dépenser, même mettre ça, c'est comme ma fille, qu'on appelle, c'est Calonde là. C'est Calonde, c'est pas plus rare, l'autre là. Audrey, qui a pris son temps, qui a fait maréchal de la brigade anti-sorcier. Elle a créé un t-shirt, un design pour moi, tout ça. Tout ça. C'est vraiment intéressant. Monsieur, j'ai pris ça, c'est mon colis, ok? La prochaine fois passera à toi. Oui, super, super. C'est pour dire, voici, il n'y a pas de difficulté à nous rencontrer. C'est vrai que au téléphone, par moment, c'est difficile. Nous sommes en train de nous organiser. Par moment, d'autres sont en colère. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a une jeune soeur, qui dit, ah, mais tu sais, je t'appelle, tu ne me réponds pas. Je t'écris, tu ne me réponds pas. J'essaie de t'appeler. Ben, si tu as envie de me voir, voici mon numéro, appelle-moi. On m'a fait démarrer. Pour dire, on n'a pas de temps. Ce n'est pas parce qu'on ne pense pas à vous, mais le travail elle-même vient, elle constate que ça nous dépasse même nous-mêmes. C'est tellement que quand des gens viennent, il faut qu'on s'occupe d'eux. Avant, j'avais le temps, donc je prenais la peine d'écouter certaines personnes. Ça coûtait certaines personnes, mais nous sommes en train de nous organiser. Je pense que la nouvelle année, cette année, nous allons nous améliorer en matière d'organisation et puis en matière de communication. Et nous sommes en train de penser une formule pour pouvoir servir tout le monde. C'est important. Le temps, on n'a même plus le temps. Voilà. Parce qu'on a même temps ici et puis on a même temps à Roko. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout facile. Il faut gérer tout ça. Puis, il y a des monde qui se déplace. Ils sont sur place, on va les aider. Donc, quand quelqu'un vient nous rencontrer, il n'y a pas de problème.
Je suis obligé de contacter le secrétariat directement. Quand c'est comme ça, je donne mon numéro direct, mon numéro personnel. Et je suis la personne jusqu'à son arrivée ici. C'est ce qu'il a fait pour la sœur. Quand j'ai senti qu'elle devait venir en Côte d'Ivoire, immédiatement j'ai donné mon numéro personnel. Parce que ce qui est plus intéressant, c'est quand vous venez, et ça c'est bon, on a le temps de vous scanner, on a le temps de faire des actions prophétiques, et puis ça vous libère de beaucoup de choses. Et ça c'est bien pensé, de commencer par Dieu d'abord, avant de faire toutes choses. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, et ça c'est bien. D'autres gens me joignent par devant en famille, avant de commencer. Il faut mettre d'abord Dieu la première place. Je pense que c'est bien pensé. Voilà, donc si vous voulez venir en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Vous contactez le secrétariat. Nous serons à votre disposition. Shalom pour vous.